Bonjour les petits choux scorpions, bienvenue dans les énergies de votre semaine du 11 au 17 mars 2024. Et c'est la carte du rayonnement qui vient à vous pour les énergies de votre semaine. S'ouvrir, se démarquer, réaliser. La fée Sorbier vous offre l'espace nécessaire pour vous rendre visible. Vous pourrez avancer sans crainte dans la lumière de votre amour et faire étinceler votre beauté fascinante pour que tous l'apprécient. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Lorsque vous vous présentez et vous engagez auprès des autres, vous suscitez des amitiés animées d'un esprit commun attiré par la chaleur qui émane de votre être. Cessez de vous cacher par peur de vous faire remarquer. Vous freinez, vous dissimulez dans l'ombre et atténuez votre lumière a pour seule conséquence de créer une disharmonie dans votre âme, vos relations et votre vie en général. Le syndrome de l'imposteur se manifeste lorsque vous vous cachez derrière vos doutes. Identifiez et redéfinissez vos croyances limitantes afin de développer votre confiance en vous. Osez, cœur intrépide. Entrez dans la lumière, acceptez de vous faire remarquer et acclamer. Ne doutez jamais de votre capacité à y parvenir jusqu'à avoir atteint cet objectif. Demandez-vous, suis-je prêt à être vu et entendu? Être le spectateur de sa propre vie sans participation active revient à vivre en pilotage automatique. Supprimer sa vérité limite la force créatrice de l'univers. Si vous attendez le moment idéal, vous manquerez l'opportunité d'offrir aux autres votre éclat, votre rayonnement et votre beauté. Libérez-vous des contraintes que vous vous êtes imposées et exprimez les non-dits. Votre sagesse intérieure, votre vérité et votre expression créative sont significatives et parachèvent le tableau d'ensemble. La contribution individuelle enrichit l'expérience collective. Communiquez votre authenticité avec une intention aimante et sachez que l'univers vous soutient. Votre temps est venu de briller. Et votre affirmation pour cette semaine, faites briller votre lumière sans crainte. Bonne semaine, mes petits choux!